Oui. Tu devrais expliquer. Donc c'est Fabienne. Tout ça. Oui, vas-y. Je suis Fabienne. Et là, je fais la suite du chant premier de la Divine Comédie de Dante. Donc, nous avions laissé Dante face à des animaux obscurs et effrayants. Une louve que sa maigreur faisait sembler manquer de tout, aux dépens de bien des victimes, fit naître en moi un grand effroi. À peine l'avais-je aperçu que je perdis l'espoir de vaincre. Et comme qui voudrait gagner quand sonne l'heure où il va perdre ce qui l'emplit de pleurs amères, la bête ainsi me désempare et me repousse vers le levant à mesure qu'elle approche. Je revenais dans les bas-fonds. Quand se présenta à mes yeux la victime d'un long silence, le fantôme dans le désert me fit crier « Pitié de moi, qui que tu sois, ombre ou humain ?» Il répondit « Humain je fus, mais ne suis plus. J'ai père et mère, Lombard et même Mantois. César m'a vu naître assez tard. Auguste ensuite m'a vu vivre à Rome parmi les filles. J'étais poète et j'ai chanté le fils d'Anchise le Troyen après l'incendie de sa vie. Mais toi, pourquoi t'infliges-tu cette angoisse au lieu de grimper au sommet moteur du bonheur? Est-ce toi, Virginie, la source d'où jaillit un fleuve de rime? Demandai-je timidement. Flambeau, honneur de tout poète, vive l'étude et la passion qui m'ont permis de te connaître. Tu es mon maître et mon auteur. Tu es le seul de qui je tiens le beau style qui fait ma gloire. Vois cette bête qui me fait fuir. Protège-moi, célèbre sage. Mon cœur bat fort, mon sang palpite. Si tu veux avoir la vie sobre, si tu vas voir la vie sobre, tu suivras un autre chemin, loin des fureurs de cette bête qui ne permet aucun passage. Elle est prête à t'assassiner. Elle est prête à t'assassiner. Son appétit est si cruel, aucun repas ne la rassasie. Elle s'accouple à mille bêtes et mille encore jusqu'à sa mort entre les crocs d'un chien de chasse qui ne se répétera ni d'or ni d'amour, ni d'or ni de terrain, mais d'amour et de vertu. Vivant près de Feltro, il sauvera l'homme d'Italie pour qui son or mort, Camille, Eurial, Turnus, Missus de leurs blessures. Il la traquera dans les villes, la renvoya dans son enfer dont l'avait sorti son ambition. J'ai réfléchi. Mieux vaut pour toi que je te guide à travers l'intemporel. Tu entendras des cris d'horreur. Tu verras des âmes brisées vouloir une deuxième mort. Tu en verras d'autres contentes dans le bûcher, voulant se joindre un jour futur aux bienheureuses. Mais pour te mêler à ces élus, il te faudra plus d'une main. Comme un relais, tu la prendras. Car l'empereur régnant là-haut ne voudra pas en sa cité de moi qui refusait sa loi. Il étend partout son empire et sa cité là-haut est sise. Heureux celui qui l'a choisi. Et je lui dis, pitié poète, tu ignoras jadis ce Dieu, mais permets-moi de fuir tous ces malheurs et conduis-moi où tu m'as dit jusqu'à la porte de Saint-Pierre, parmi ces âmes que tu dis grises. Il avança, je le suis. Bravo! Bravo!